vidéo de Minecraft, eh ben, il récupérait tout ce qu'il trouvait sous la main. Il n'allait pas revenir juste parce que c'est une vidéo. Voilà. Enfin, vous m'avez compris, quoi. MDR. Filon de fer encore. Allez. Mine-moi tout ça, mon gars. C'est une grotte où il y avait pas mal de minerais, tout ça. Voilà. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais merde, c'est pas vrai. Je suis maudit. Bon, ben. On va creuser encore. Un cadavre de noir, s'il vous plaît, à vendre. Hop, je la monte, je la monte. On avance. Voilà. Oh, oh, enfin, ça devient un peu... Ça devient un peu moins de 18, quand même. Alors, mon cher Fendal, faut que je te redonne du merdier, encore. Faut que je me débarrasse de merdier. Sauvegarde automatique, ok. Je vais te filer... la hache d'armes d'acier de lui là qui pèse une tonne. Voilà, fin d'âge. Derrière vous. Faut que tu fasses quelque chose pour moi. D'accord, de quoi s'agit-il? Il vous faut quelque chose? Que tu ramasses cette jolie hache. D'accord. Voilà. Autre chose? Voilà. Et moi je vais pouvoir miner encore. Il y en a un là. Alors je suis désolé pour cette séance de minage, mais comme je l'ai dit, il y en a plein, donc je ramasse. Voilà, c'est tout. Comme il y en a plein, je ramasse. Hop. Alors. A pu. Non. Ah ouais, alors moi ce que je trouve dommage aussi dans Skyrim, ça sera une petite critique. Bon, il a déclenché, mais c'est pas grave. Une petite critique dans Skyrim, c'est que ben, les grottes elles sont pas assez éclairées. Et puis ils ont inventé des pelles. Et sauf que les pelles elles servent à rien. J'ai pas trouvé encore à quoi ça servait les pelles. Donc voilà. Donc je suis déçu là-dessus. Parce que peut-être qu'on aurait pu trouver de l'or dans les rivières. S'amuser à creuser dans les rivières pour trouver de l'or. J'aurais trouvé ça beaucoup plus pratique. Que en gros, elle vous sert à rien, peut-être pour la déco de votre maison. Mais c'est tout. Donc, ben, je vois que mon ordi rame plus que d'habitude. Pourtant, je fais pas grand-chose de plus. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on va faire un déplacement rapide direct vers Blancherive. Hein. On va pas s'embêter. Hop. Alors, Blancherive. On aura l'athée du bandit. Et je croyais en fait que il y a une quête pareille comme ça où on récupère une belle arme, mais en fait c'était pas la hache d'arme d'acier, je crois pas que c'est à cause de ça. On récupérait une épée qui était vraiment vraiment forte quoi. Les princes des draps. J'ai fait la quête pour lui dans une autre partie. Je vous dirai pas ce qui se passe. Alors, ah ouais, mais j'ai pas dormi, je sais pas quelle heure il est. Alors déjà, on va aller là-bas pour me faire ce
12 filons, tous les filons que j'ai ramassés. Divers. Et alors, collieron raffiné. Ah, c'était comme ça que ça se fait. D'accord, les lingots d'acier. Hop. Et voilà. Et là, putain, j'en ai un paquet quand même de lingots de fer. Hein. En vrai, j'aime pas quand ça bug comme ça. Alors attendez, je vais essayer de trouver une astuce pour que ça aille plus vite. Voilà. Oh, pile de Dieu là. Ça rame, ça m'énerve. Ouh là 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 là, pauvre PC, qu'est-ce que t'endures? C'est mon antivirus, il doit faire des mises à jour, c'est pas possible. Oui! Oh là là! Et on va y arriver. 4 heures plus tard, je suis toujours en train de miner mon fer. Oh là là. De faire cuire mon fer. De faire fondre mon fer, c'est mieux quoi. C'est plus logique. Je vais y arriver un jour. Bon, on y va à la fin, c'est pas vrai. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. Voilà, et là j'ai pas d'autre chose que je peux faire. Non. Eh ben putain, c'était pas vrai. Alors, je crois que j'ai du cuir à tanner. Enfin, j'ai une peau de bouffe. Donc on va attendre que l'autre arrive là. Deux heures du mat. Il faut autant. 6 heures. Voilà. Je vais lui vendre mon merdier. Je prends tout le merdier qu'a Fendalantro, lui vendre. Donc là ça sera plutôt séance marchandage et fabrication forge. Donc ça, il faut savoir que je le fais énormément. Encore là. Parce que tout simplement. Ouh là 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 là. Parce que tout simplement, oui. Que voulez-vous que je porte? C'est important dans ce jeu d'avoir une bonne forge et d'augmenter surtout. Oh, bah tu l'apprends. Bah, ok. Pour récupérer le reste. Arc de chasse, je te prends tous ces minerais de fer, seau, armure plus D, hache d'acier, botte en peau 8, armure en peau, je te laisse la pioche, je te laisse une hache du bûcheron. Voilà. Passez devant, je vous suis. Donc là, je transporte autre chose, je sais. Mais bon, je vais vendre mon merdier. Si j'arrive à vendre mon merdier. Je ne prétends pas être la meilleure forgeronne de Blancherie. Jetez un œil. Alors, on va vendre mon merdier. Putain, c'est pas vrai, ça aussi ça va bugger là maintenant. Ou faire des dégâts. Vous avez envie de me faire râler là pendant mes vidéos ou quoi? Alors,
On va essayer de pas piquer une crise. Bon, je vends l'arc de chasse. Je te vends les armes cloutées, l'armure de fer, les armures de poule, l'armure de poids, bottes de cuir, bottes de peau. Alors, astuce de Bob Lennon. Les vendre une par une pour avoir plus d'éloquence. Alors, je sais pas si ça marche. Mais bon. On va voir. On va voir si ça marche, si ça fait vraiment plus d'éloquence. Ah merde, j'ai fait vendre des 6. Bon, je suis nul. Bouclier avant, je te vends, veux pas bouclier. Les chaussures. Ça, je vais garder. Le cuir, je garde. Les daguerres ici, je garde. Hop. Spadon de fer, je la prends, je le garde au cas où. Ouais. Gantelet de fer, je te vends. Gantelet de fourrure, je te vends. Gantelet impôt, je te vends. Hache d'acier, je te la vends. Hache d'armes, machin, je vais la garder. Ou la désenchanter, et après, pique s'il reste. Je te vends une hache du bûcheron. Ça, je garde. Hache du braconnier. 3 points de dégâts supplémentaires aux animaux. Ah bon, ils ont amélioré une hache en bois. Moi, je connaissais pas. Bon, remarque. Bon, elle pèse plus lourd. Hein. Bon, je te la vends. Hop. Tous les lingots de fer. Heureusement, ça vaut pas très cher. Le marteau, je te le vends. La masse. Les minerais d'argent, je le garde. Minerai de fer, je le garde. La peau de chien, je te la vends. M'en fous. Et les épées de fer. Voilà. Hop. Déjà, je vais avoir voilà, moins de merde. On va utiliser. Avez-vous rencontré mon père? C'est le chambellan du Jarl, la Fordragon. Que je lui achète du cuir. Jetez un œil. J'en ai pas beaucoup. Alors. On va aller dans divers et rapide. Ah! Oh putain, bug du jeu, ça m'énerve. Alors, il va falloir que je télécharge le mode de Bob Lennon, ça va aller plus vite. Ah putain, c'est pas vrai. Ouh là 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 là, ça va me gonfler. Bon. On va faire avec les flèches. Putain, je déteste. Là! Leur interface est pourrie. Oh, pile you. Voilà. Ta peau de chèvre, tu te la mets où je pense, hein. Parce que vu au bout, tu veux voir les choses. Et voilà. Et là, on va utiliser la forge. Et non, c'est moi qui vais l'utiliser. Donc, fer. Et on va faire plein de dagues de fer. Donc, il faut un lingot de fer et du machin. Pardon. Donc ça va augmenter ma forge. Oh, c'est pas vrai. Je vais remonter le niveau.